vous a programmé pour détruire. Et votre papa est votre première victime, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui vous a donné la sorcellerie? C'est ma grand-mère, Martinelle. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit de faire? Elle a dit de détruire mon papa pour détruire enfin ma maman, parce que c'est mon papa qui fait que ma maman a... Parlez fort. Parce que c'est mon papa qui a fait en sorte que ma maman a réussi. Donc elle a dit de tuer mon papa pour ensuite détruire ma maman. Ah, donc il faut tuer le papa pour que votre maman soit dans la détresse et puis après vous l'achevez aussi, c'est ça? Oui. Et c'est depuis quand elle vous a donné ça? 6 ans. 6 ans? Vous avez quel âge actuellement? 12 ans. 12 ans. Et où ça s'est passé? C'était à Angers au château. Elle était, en ce moment, elle habitait chez nous. Donc, elle pouvait me donner la nourriture facilement d'abord. Donc, mes parents étaient sortis. Donc, pour me donner la sorcellerie, j'ai mangé avec elle. Maintenant, la nuit, je dormais, elle est venue. Et moi, je croyais que c'était un rêve, mais c'était là-bas. Donc, elle est venue me chercher pour manger de la viande humaine aussi. Là, j'avais la sorcellerie maintenant. Donc, vous avez mangé la viande avec elle. C'est-à-dire que vous avez tué quelqu'un et ils ont préparé. On vous a invité, vous avez consommé. Oui. Elle occupe quel poste dans ce club? Elle, c'est la reine. Elle, c'est la reine. Et vous? Moi, je ne suis pas reine. Je à mon cas, juste pour tuer. Pour tuer? Donc, vous avez tué combien de personnes jusqu'à présent? Dans les 110. Ça. Dans les 110. Vous avez quel âge dans la sorcellerie? 36 ans. Là-bas, je suis grand. Grand? Quel âge avant? 36 ans. Mais ça dépasse puisque tu as tué plus de 110 personnes. Ça dépasse. T'es 36 ans. T'es une vieille là-bas, non? T'es grande? Hein? Oui. T'es une mémé là-bas. Donc, on vous envoie et vous tuez. Même si vous ne connaissez pas la personne, quand on vous dit de tuer, vous tuez. Oui. Sans rebond. Donc, quand la personne n'est pas en Jésus, c'est un danger, hein, c'est ça, non? Oui. Mais vous n'arrivez pas souvent à tuer ceux qui sont en Jésus, non? Oui. Et mais il y a longtemps que elle vous a programmé pour tuer votre papa, c'est ça? Oui. Mais pourquoi depuis là, vous n'avez pas pu? C'est parce que lui, il prie beaucoup, donc... Et puis depuis qu'il est venu, c'est encore plus dire parce que... J'ai l'impression qu'il y a un ange qui est à côté de lui, donc c'est... Depuis qu'il est venu, pour ça? Ici. Ici, au chemin du ciel, ici. C'est encore plus difficile. C'est ça? Oui. Mm-hmm. Parce que, bon, je crois qu'il y a un ange qui le protège. Donc, à chaque fois que je veux essayer de faire quelque chose, faire petit, vite fait, j'arrive pas. À chaque fois que vous essayez, vous n'arrivez pas. Oui. Il y a un ange. Mais l'ange aussi vous a averti quand même, non? Oui, ça a commencé ici d'abord parce que quand je viens ici à l'entrée, je vois des anges ou papa Florian à ceux je vois des anges. Donc ça a commencé ici. Le premier ange que j'ai vu, lui m'a dit que si j'arrête pas, je vais mourir. Arrivé à la maison encore, ça je dormais la nuit. Je partais comme ça maintenant. Il m'a vu. Je sais pas. Bon, il m'a pas frappé, il m'a rien fait, mais. Il m'a juste regardé et puis j'ai commencé à avoir mal au corps. Et puis il a disparu. Simple regard seulement? Oui. Commencé à avoir mal au corps? Il n'a rien dit, hein? Et puis il est parti. Donc moi, je me suis réveillée, j'ai vu personne. Après, ma grand-mère est venue me chercher, puis je suis partie avec elle. Mais malgré que l'ange t'a simplement regardé, tu as commencé à grelotter, ça t'a rien dit, tu es reparti dans la sorcellerie. Hein? T'as pas peur? T'as pas peur de l'ange? Si. T'as pas peur de mourir? Si. Ah, mais pourquoi tu vas quitter les gens? Ta grand-mère, elle t'a promis beaucoup de choses là-bas? Oui. Tu as quoi là-bas? Elle m'a dit que je vais avoir le poste de reine. Le poste de reine. Donc si elle n'est plus là, elle va te donner ce bagage-là, c'est ça? Poste de reine avec beaucoup d'avantages. Hein? Il y a des voitures, oui. Des maisons là-bas, donc tu plais. Tu as des voitures là-bas, c'est ça? Non? Oui. Tu as vu beaucoup d'anges ici, non? Qui t'ont parlé. Mais malgré ça, tu ne veux pas quitter, c'est ça? Si. Hein? Si, je veux quitter. Tu veux quitter. Mais à part les anges que tu vois ici, qui t'effraient, qu'est-ce qui t'effraie encore ici? C'est lui-là. Quand il met ça sur moi la nuit, ça me boule trop.
La douleur est vraiment très forte. Donc Très ça fait forte. que je peux pas, pour partir de tumeur, je peux pas partir. Donc ça fait que je suis obligée de rester. Donc ça, les jours. Donc une main sur toi, ça te bloque. Tu ne peux plus partir, c'est ça? Mais tu arrives quand même. Oui. Mais ça me brûle. Mais ça te brûle. La douleur est forte. Oui. Mais tu ne peux pas laisser. Si. Mais tu vas quand même. Dis-moi, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. La maladie que traite ton papa, c'est toi qui lui as donné ça? Oui. Oui. Comment tu as fait? Bon, ça fait là longtemps. Par ça, force. Ça fait longtemps que j'ai mis la maladie. Je suis partie, il était couché. Donc, comme il faisait nuit, je suis partie sur son lit. Et puis, j'ai prononcé son nom 3 fois, le nom de la maladie aussi. Puis j'ai déposé ça sur lui. Prononcer son nom 3 fois. Tu as prononcé aussi la maladie. C'est quelle maladie? Un cancer de poumon que je lui ai donné. Cancer de poumon. Toi, tu as prononcé cancer de poumon 3 fois. Tu as prononcé aussi son nom 3 fois. Et tu lui as donné. C'est ça? Et la mission, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Que le cancer se ronge. Que ça le pourrisse. Que ça le pourrisse jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Là, tu auras atteint ton objectif, c'est ça? Oui. Mais depuis que tu as donné là, est-ce que ça fait l'effet que tu voulais, que ta grand-mère voulait? Est-ce que ça fait ça? Non. Mais pourquoi? Parce que ça fait longtemps, j'ai mis, donc il devait partir il y a longtemps. Il y a longtemps? Ça fait combien d'années que tu as donné ça? J'avais 10 ans. Ça fait 10 ans. Tu as quel âge? 7 ans. 7 ans que tu as donné la maladie. Donc il y a longtemps qu'il a ça. Et il devait mourir dans votre programme quand? Actuellement, tu as 12 ans. Donc ça veut dire, il y a depuis 5 ans que tu as donné la maladie. Et il devait mourir quand, et puis ça n'a pas été. C'était au mois de juin, je crois. Juin? Juin. De quelle année? 2016. 2016. Il devait mourir. Mais il n'est pas mort. Mais vous n'avez pas su pourquoi il n'est pas mort aussi? Non, mais c'est à cause de la prière qu'il fait. À cause des prières. Donc s'il ne priait pas, il était déjà parti. Mais actuellement, il souffre. Ça te dit rien? Si, ça me fait mal. Si. Mais tu ne peux pas enlever? Si. Mais pourquoi tu n'enlèves pas? Tu peux prononcer 3 fois et puis la maladie va quitter, non? Mais pourquoi tu le fais pas? Ou bien tu veux laisser Ophéline, là? Non. Mais pourquoi? Mais c'est ta grand-mère qui dit de ne pas faire. Oui. Oui, ça. Donc tu préfères obéir à ta grand-mère que d'obéir à Dieu? Non. Ou bien tu veux être forcément la reine? Les promesses, là. Physiquement, est-ce que tu as ça? Tu vois, les promesses de ta grand-mère? Non. Ah bon? Regardez, dans le monde spirituel, tu es bien, mais physiquement, est-ce que tu es bien? Tu seras malheureuse? Tu préfères ça? Non. Non. Mais pourquoi tu n'enlèves pas la maladie? Ou bien ton papa te maltraite? Non. Il t'écrit là-dessus? Mais malgré que tu lui as donné, il t'aime, non? Oui. Oui. Et c'est ça aussi qui fait que tu n'arrives pas à l'achever, c'est ça, non? Oui. Ou bien il y a un feu qui est là, hein? Ça te brûle, là. Tu n'es pas tranquille. Oui. Tu vois que quand tu essaies de mentir, ça monte.